Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te trouves est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse ne s'attendait probablement pas à rencontrer Dieu dans ce lieu désert. Et pourtant, c'est là que Dieu s'est révélé. Au milieu de cette nature, de ces paysages austères, une rencontre qui allait changer le cours de l'histoire. Dieu n'est pas plus dans ce temple que chez Théo, qui s'appelle quand même chez Théo, que dans votre salon ou au coin de cette rue ou encore au sommet d'une montagne. Mais nous sommes réunis ici parce que nous le cherchons, parce qu'un jour nous avons peut-être entendu sa voix et parce qu'à plusieurs, nous pouvons peut-être mieux le rencontrer. Alors, chers amis, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, à vous qui avez fait un détour dans votre quotidien, que vous soyez avec moi, ici au Temple, ou encore devant votre écran, en direct ou en différé. Et si Dieu ne nous demande pas, ici, d'enlever nos chaussures, je vous invite à faire silence. Nous prions. Seigneur, notre berger, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Tu t'es révélé à Moïse dans le buisson ardent. Par ton esprit, viens te révéler à nous et nous faire sentir ta présence. Amen. Où les dernières nouvelles semblent se multiplier dans plutôt mauvaises, nous osons proclamer notre louange avec cette prière des diaconesses de Reuilly. Et non, ce n'est pas écrit, mais ce n'est pas grave, vous allez vous souvenir. De temps en temps, je vous ferai un petit signe pour que nous disions ensemble « Seigneur, tu es grand ». Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de nos oublis, Seigneur,
tu es grand. Au-delà de nos luttes, au-delà de nos révoltes, au-delà de nos refus, Seigneur, tu es grand. Au-delà de nos faims et de nos soifs, au-delà de nos élans, au-delà de nos désirs, Seigneur, tu es grand. Au-delà de nos échecs, au-delà de nos questions, au-delà de nos angoisses, Seigneur, tu es grand. Au-delà de nos forces, au-delà de notre foi, au-delà de notre amour, Seigneur, tu es grand. Dans ta miséricorde, dans ta sainteté, dans ta sagesse, Seigneur, tu es grand. Dans tes délivrances, dans tes consolations, dans ton pardon, Seigneur, tu es grand. Dans tes exaucements, dans ta victoire, dans la paix que tu donnes, dans ton immense amour, Seigneur, tu es grand. Dans le feu de ton esprit, dans le don de ton Fils et par ton nom de Père, Seigneur, tu es grand. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Et je vais vous inviter aussi à dire, quand je vous ferai signe, c'est après que j'aurai dit « quand notre cœur nous accuse », parce que oui,
bien souvent, c'est notre cœur qui nous accuse. Et à ce moment-là, nous pouvons répondre, enfin dire, Seigneur, viens à notre secours. Donc je vous inviterai à dire, Seigneur, viens à notre secours. Dieu notre Père, au jour de désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours. Au jour de lassitude où nous sommes épuisés, épuisés par ce que nous vivons, ou plus encore par ce que nous ne vivons pas, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours. Au jour de maladie, lorsque notre corps se dérobe et que nous nous demandons pourquoi, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours. Au jour de désespérance, lorsque doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours. Au jour de passage, lorsque la peur et l'angoisse de l'inconnu nous tiraillent, quand notre cœur nous accuse, Seigneur, viens à notre secours et donne-nous de recevoir ton pardon qui nous réconcilie avec notre humanité. Amen. Frères et sœurs, quand notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Écoutons ce qu'il nous dit par la bouche du prophète Jérémie. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui, frères et sœurs, par ces mots, il nous est rappelé que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dieu les efface de sa mémoire. Que cela nous mette en joie et que cela nous donne le désir de nous lever pour marcher vers son royaume en chantant « Tu vins Jésus pour partager ».
Avant de lire les Écritures, nous prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'être humain puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre mon oreille à cette voix qui retentit dans le désert. Aide-moi à garder mon cœur ouvert pour accueillir ton évangile. Amen. Alors, frères et sœurs, trois textes ont été choisis ce matin. Un premier texte que nous avons lu cette semaine avec le groupe écuménique du Vercors, avec lequel nous étudions l'Apocalypse cette année, tout comme le groupe du Grésivaudan. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant, il était pertinent, vu la période que nous traversons. Vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite pourquoi, mais j'espère que vous allez le comprendre à la fin de la prédication. Le deuxième texte est dans l'évangile de Marc. C'est l'évangile du jour, l'évangile des lectures écuméniques. Et le troisième texte est dans le Cantique des Cantiques, et nous allons en entendre une version chantée, et évidemment un peu transformée, hein? Mais voilà, ce sera une version chantée du Cantique des Cantiques. Et du coup, nous ne chanterons pas le spontané, puisqu'il y aura eu cette écoute auparavant. Et donc, nous lisons le premier texte qui se trouve dans Apocalypse, le chapitre 19, les versets 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution. Et il a vengé le sang de ses esclaves en le lui réclamant. Ils dirent une seconde fois, Alléluia. Sa fumée monte à tout jamais. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombèrent et se prosternèrent devant Dieu qui est assis sur le trône en disant, Amen. Alléluia. Du trône sortit une voix qui disait, Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous tous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de forts tonnerres qui disait, Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyez transportés d'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écris,
Heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et donc le deuxième texte se trouve dans Marc, le chapitre 1, les versets 12 à 15. Aussitôt l'Esprit chasse Jésus au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Et donc maintenant, nous allons écouter le chant enregistré des Cantiques des Cantiques. Viens, ma toute belle. Celui que mon cœur aime. Dans mon jardin aride, il a fait son domaine. De perles de rosée, il a couvert ma tête. Mon âme est toute belle, mon bien-aimé m'appelle. J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir. Chante la tourterelle, mon bien-aimé m'appelle. Viens dans mon jardin.
Avez-vous remarqué que cette année, le carême, qui officiellement démarre le mercredi 40 jours avant Pâques, enfin 46 jours plus exactement, parce que les dimanches ne sont pas compris dedans. Eh bien, cette année, le carême commençait le jour de la Saint-Valentin. Alors vous me direz, oh, le carême, c'est pas très protestant, en tout cas pas très réformé. Oui, si effectivement le carême, comme au XVIe siècle, consiste à pratiquer le jeûne, l'abstinence, avec un certain goût pour la mortification, qui avait pour but de contenir ses désirs, d'expier ses péchés, et aussi de participer aux souffrances du Christ rédempteur. Cette pratique est apparue aux yeux des réformateurs comme une volonté de gagner la grâce d'un Dieu souvent présenté comme un juge terrifiant. Avec l'annonce de l'amour inconditionnel du Père à ses enfants, la Réforme a rejeté ces pratiques et insisté plutôt sur un recentrement, sur la prédication, l'étude de la parole et sur la prière. Peut-être me direz-vous aussi que la Saint-Valentin, ce n'est pas pour vous, que c'est une tradition héritée de, ou plutôt une fête commerciale, arrivée tout comme Halloween des États-Unis. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Saint-Valentin, de la fête des amoureux qui, selon Wikipédia quand même, est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique. Mais finalement, il me semble que plusieurs d'entre nous se sont laissés gagner par ce rite qui permet à un couple de prendre un temps privilégié pour se séduire ou se reconquérir, au risque que cela ne devienne parfois un passage obligé, un rite vide de sens. Mais revenons-en à ce hasard du calendrier qui fait que cette année, le carême commençait le jour de la Saint-Valentin. Pourrions-nous y voir un clin d'œil de Dieu? Un clin d'œil? Et pourquoi pas? Si l'on considère que la Saint-Valentin est le jour des amoureux, le jour où une personne révèle sa flamme à l'être secrètement aimé, ne pourrions-nous pas y voir, en quelque sorte, le commencement possible de fiançailles? Les fiançailles sont ce moment où les amoureux révèlent leur amour à leur famille, à leur entourage, en officialisant une promesse de mariage, une promesse d'alliance. Ah, vous me voyez peut-être venir, parce que dans la Bible, nous retrouvons ce type d'officialisation, de déclaration par des signes d'alliance qui sont nombreux. L'arc, placé dans la nuée après le déluge, la circoncision qui marque dans la chair l'alliance perpétuelle, le don de la loi sur l'Horeb, transporté dans le coffre de l'Alliance. Mais ce sont essentiellement par les prophètes que la notion d'alliance, comme pacte juridique, va se transformer en un lien où l'amour a sa place, comme au sein du couple. C'est ce qui va permettre au magnifique Cantique des Cantiques de trouver place dans le canon biblique hébraïque, puis dans le canon chrétien. Le mot « fiançailles » renvoie au mot « confiance ». Le temps des fiançailles pourrait être alors celui où progressivement l'un et l'autre se dévoilent mutuellement pour mieux s'engager en confiance. Il s'agit de changer d'état, de passer de celui d'enfant
de fils ou de fille d'eux à celui de conjoint, époux, épouse d'eux, en vue d'être peut-être à son tour parent. Un temps de transmission où des choses sont dites à l'enfant, un temps d'accordage des traditions familiales et d'invention d'une nouvelle communauté de vie, un temps de séparation d'avec une famille donnée, parfois subie, parfois fuie, pour la construction d'une famille choisie, agie. Dans l'idéal, les fiançailles doivent être suffisamment longues pour que séduction ne rime pas seulement avec illusion, mais qu'elle s'accorde avec la reconnaissance, l'accueil de l'autre tel qu'il est dans son humanité, un temps de construction et de désillusion nécessaire pour l'établissement solide de la confiance. Ce temps implique également traditionnellement une abstinence sexuelle, une maîtrise des passions et des sens, une ascèse et un respect de l'intégrité physique de l'autre. Il est celui de la préparation du lieu de la conjugalité avec le fameux trousseau, je parle d'un autre temps peut-être, quoique, le fameux trousseau, le linge de maison, la liste de mariage préparée avec soin pour que le jeune couple trouve son autonomie. Il est celui de la chrysalide, de la transformation intérieure avant de revêtir une nouvelle identité. Oh, me direz-vous, de nos jours, les fiançailles ne se célèbrent plus et les couples s'installent très rapidement dans une vie commune en allant faire un grand tour par IKEA pour compléter ce qui manque dans leur équipement. Il est vrai que le contrôle des naissances a permis une libération des contraintes liées à la grossesse non désirée et à l'opprobre qui en résultait, et c'est tant mieux. Il a permis une confiance immédiate des femmes comme de leurs conjoints dans une relation amoureuse et sexuelle, sans forcément un engagement dans un projet familial ou même conjugal. Il a même permis de dissocier la sexualité du sentiment d'amour. Il a permis d'explorer, notamment pour la femme, son propre désir et la puissance de sa sexualité. Nous sommes parfois arrivés à une forme d'excès, une consommation du sexe et du sentiment amoureux, à la quête de sensations. Et nous sommes parfois arrivés au désengagement, à la difficulté à tenir sa promesse dans le temps, qui nous ramène à l'actualité commerciale de la Saint-Valentin. Il peut arriver que nous enchaînions les liaisons au point d'arriver au dégoût, un dégoût de la relation avec l'autre et avec soi. C'est la crise de confiance, la crise de fiance, d'identité. Cette crise de confiance, c'est aussi celle que traverse Dieu avec son peuple. Comme Dieu le dit par la bouche de ses prophètes, son peuple a la mémoire bien courte et la volonté bien faible. Ses yeux se laissent éblouir par d'autres dieux, par des idoles chimériques. Le peuple se lie à d'autres amants. Il oublie que Yahvé, Elohim ou encore Adonai lui a fait une promesse. Une promesse de vie, une promesse de liberté, une promesse de fécondité, une promesse de royaume que rien ni personne ne pourrait lui enlever. Mais qui demande parfois d'affronter une réalité douloureuse, difficile,
Alors le peuple préfère des dieux visibles, palpables. Un veau d'or, des photos sacrées, des fétiches fabriqués par la main des humains, plutôt qu'un dieu invisible et imprévisible sur lequel on n'a pas la maîtrise. Le peuple se révèle souvent comme une fiancée volage, voire comme une prostituée qui mettrait son fiancé en colère. Alors je signale au passage que le partenaire volage qui se prostitue est encore une fois attribué au féminin. Ça me met un peu en colère, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire que je ne traiterai pas aujourd'hui. On va en revenir à la crise de confiance entre Dieu et son peuple, entre deux amoureux. « Avec le temps », chante Léo Ferré pour évoquer l'amour. « Avec le temps va, tout s'en va. » Le temps est celui de l'épreuve, de la désillusion, de la perte de confiance dans la relation. Mais aussi, paradoxalement, comme je l'ai dit avant, de la construction progressive et profonde d'une confiance qui s'éprouve dans le réel, ici, maintenant, dans le temporel. Finalement, avec la disparition du temps contraignant et parfois enfermant des fiançailles, nous avons peut-être perdu celui de la réflexion, du discernement individuel, mais aussi du discernement de l'environnement familial, amical. Nous avons peut-être perdu le temps de l'approfondissement, de la découverte de toutes les dimensions de l'être de l'autre, avant de céder à l'emprise des sens. Pas toujours. Ce temps de découverte, il peut se faire aussi parfois justement dans le temps de vie commune. Mais ce temps de maturation est important. Il nous ramène évidemment à un autre temps, celui des 40 jours du carême, qui fait référence à d'autres quarantaines. Les 40 semaines durant lesquelles le déluge s'abattit sur la terre. Les 40 ans d'errance du peuple dans le désert. Et les 40 jours d'épreuve de Jésus au désert. On y retrouve à chaque fois les ingrédients évoqués plus haut. Un passage, une transformation d'état à un autre, de la barbarie à l'humanité avec Noé, de la soumission à la libération avec Moïse, de la prise de conscience d'une identité divine qui s'incarne néanmoins dans une humanité faible et soumise aux contingences du monde avec Jésus. Finalement, au terme de cette comparaison, nous pouvons lire dans ce hasard du calendrier qui fait commencer le carême 2024, le jour de la Saint-Valentin, plus de concordance que nous pourrions croire au premier abord. Mais alors, me demanderez-vous peut-être, quel sens cela pourrait-il avoir pour nous, protestants, aujourd'hui ? Faudrait-il que nous en revenions aux pratiques anciennes de jeûne et d'abstinence ? Est-ce qu'il s'agit de mériter son salut ? D'acquérir l'amour de Dieu ou de participer à la rédemption avec un esprit de sacrifice ? Que nenni ! Au fond, tout est question d'intention. S'il s'agit de prendre le temps de se retrouver comme au jour des fiançailles, de lâcher ce qui obscurcit, réduit, empêche la relation au tout autre. S'il s'agit de se retrouver face à face,
pour se parler dans l'authenticité de la rencontre. Alors, allons-y. S'il s'agit, par notre consommation sobre, par notre agir engagé, de se recentrer sur l'essentiel, sur la relation à Dieu, à l'autre, à soi-même, alors allons-y. S'il s'agit de se libérer de certaines peurs, de certaines possessions, de certaines de nos addictions, s'il s'agit de se priver de nourriture pour retrouver le goût de Dieu et la faim et soif de justice, alors allons-y. S'il s'agit de dépoussiérer notre conception de Dieu, de la débarrasser des images idolâtres qu'inévitablement nous lui collons, pour redécouvrir le souffle vivant, vivifiant, transformant de sa parole, alors allons-y. S'il s'agit pour nous de dire notre louange, notre reconnaissance d'un Dieu qui fait alliance avec nous, alors allons-y. S'il s'agit de nous laisser agir par un autre, de lâcher prise pour offrir la maîtrise de nos vies à notre Seigneur, alors allons-y. S'il s'agit de nous laisser séduire à nouveau, alors allons-y. S'il s'agit de répondre à l'invitation au repas des noces de l'agneau, alors allons-y. Car bienheureux sont les invités aux noces de l'agneau. Et en avant, enfin plutôt en carême, vers Pâques, alléluia!
prière. Tu as conduit le peuple d'Israël dans le désert pour le purifier dans l'épreuve et le libérer de l'esclavage des idoles. En ce temps de carême, libère-nous, nous aussi, de nos addictions, de nos illusions, de toute idolâtrie. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Tu as appelé ton peuple dans le désert pour faire alliance avec lui. En ce temps de carême, fais revenir ton Église dans le désert pour qu'elle retrouve le goût des fiançailles et qu'elle devienne fidèle à jamais. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Tu as conduit ton peuple avec une nuée le jour et avec un feu la nuit. Permets que nous trouvions auprès de toi le repos comme quand nous sommes fatigués et la lumière lorsque nous traversons des périodes d'obscurité. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Tu as fait pleuvoir le pain du ciel et tu as fait jaillir l'eau du rocher pour subvenir à ton peuple qui marchait vers la terre promise. En ce temps de carême, à nous qui sommes pèlerins en marche vers ton royaume, donne-nous ta parole de vie, qu'elle fasse de nous des affamés et assoiffés de justice, qu'elle fasse de nous des artisans de paix. Amen. Eh bien, chers amis, je vous invite à vous lever pour reprendre votre chemin, répondre à l'appel du fiancé. Dieu tient sa promesse, il est le Dieu de l'alliance, de la libération. Nous pouvons lui faire confiance et l'annoncer autour de nous. Le royaume nous est donné. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu le Père soit votre ancre et votre espérance. Que Dieu le Fils soit votre joie et votre chant. Et que Dieu le Saint-Esprit soit votre guide sur le chemin. Amen.